Place à la musique, elle a gagné l'Eurovision Junior. Valentina est avec nous ce soir et on n'est pas peu fiers, une jeune Bretonne lauréate de ce concours européen. Bonsoir Valentina. Bonsoir. Tu as déjà répondu à de nombreuses interviews. Comment est-ce que tu gères toute cette folie médiatique autour de toi ? Oui, j'ai la chance de faire des interviews. Je gère bien, j'aime beaucoup répondre aux interviews. Bon, bah, c'est sympa, on parle de toi en tout cas. Alors, le slogan de cette 18e Eurovision Junior, c'était « Move the world ». C'est bien le message de ta chanson, j'imagine, ça, de faire bouger le monde. Oui, exactement. Cette année, on avait tous des chansons avec des messages assez positifs. Et le but de ma chanson, c'était d'imaginer un monde meilleur, on est solidaires les uns avec les autres. Et il fallait vraiment que ce soit une chanson avec un message positif en cette période compliquée. Ben, ça tombe bien, effectivement. On va écouter un petit extrait. Voilà pour ce petit extrait de J'imagine. Alors, c'était comment ce concours ? Il faut d'abord beaucoup travailler, puis il y a le jour J, il y a de la pression ? Oui, il y avait du stress, mais heureusement, les danseurs étaient là avec moi, que je remercie d'ailleurs parce qu'ils ont été vraiment incroyables. Et ils me faisaient déstresser, ils me faisaient rigoler, donc j'étais très contente qu'ils soient là avec moi. Et oui, je me suis préparée avec l'aide de ma merveilleuse coach vocale que je connais depuis assez longtemps maintenant. Et qui m'a donné, ça te fait faire beaucoup de progrès ? Oui, ouais. Oui, elle me donne de très bons conseils, j'ai des exercices de respiration et ça m'aide beaucoup. Alors tu es aussi membre des Kids United, ça veut dire que tu n'as pas commencé à chanter hier, comment tu es venue au chant et ça fait longtemps déjà ? Oui, depuis que je suis toute petite, j'écoute des chansons italiennes et j'ai commencé à chanter comme ça. C'est vite devenu ma passion et c'est comme ça que j'ai eu envie de participer à The Voice Kids. Des chansons italiennes, effectivement, je crois me souvenir dans Voice Kids. Oui. Tu es déjà ambassadrice de l'UNICEF avec les Kids United. Oui. C'est une cause qui te plaît, ça, l'enfance. Tu as envie de défendre les droits des enfants à travers le monde. C'est une cause qui nous touche beaucoup. On a pu faire de merveilleux voyages humanitaires, de rencontrer des enfants et on en ressort changé. Et d'ailleurs, récemment, on a sorti un single pour l'ONU aussi avec l'UNICEF, Take a Stand. C'était le 20 novembre pour la Journée mondiale des droits de l'enfant et c'est pour lutter contre le travail des enfants et donc le message était très important pour nous. En tout cas, toi, tu ne travailles pas, mais tu te donnes de la peine pour faire des concours, notamment. Est-ce que tu as envie de devenir musicienne ou chanteuse plus tard ? Oui, j'adorerais que le chant soit mon métier plus tard. Après, c'est très important pour moi aussi de faire des études. Et ouais. J'aimerais beaucoup aussi apprendre à jouer du piano. Bon, alors l'avenir est devant toi. J'espère en tout cas que tu as des bonnes notes en musique au collège. Hein, sinon, ça ne va pas aller. Merci. Un mot de football à présent.